Aujourd'hui, les mutants sont revenus de la zone. Ils ont fait un premier point après avoir trouvé un magnifique artefact tenu de plongée qui leur a occasionné quelques soucis. La gangrène leur a fait un peu de mal. Mais ils reviennent avec un artefact et non pas avec plus d'infos sur cette mission qui s'est absentée ou ces gens qui ont été capturés. Au sein de l'Arche, les choses par contre bougent. Il s'avère que certains s'inquiètent de l'absence de cette expédition. D'autres, des bruits courts, comme quoi il faut se venger des, sans doute, de ceux qui ont déjà commis un assaut contre les barricades de l'Arche. Et puis, il y a cette pénurie d'eau qui fait dire que finalement, elle n'était pas vraiment un hasard si cette expédition avait pris le chemin d'une station d'épuration en état de marche. Apparemment, Johamed a quelques problèmes. Du moins, c'est les échos qui sont arrivés à l'oreille de certains d'entre vous. Et au final, il y a une grande inquiétude. C'est vrai que ce Jonas, si sympathique, désirant collectionner des artefacts, a finalement... Ouais, semble de plus en plus accueillir de nouveaux membres dans ce qu'il appelle, non pas son gang, mais son culte. Il projette apparemment un assaut est-ce contre justement les agresseurs de l'Arche ou est-ce sur un autre point stratégique, on ne sait pas, mais en tout cas bon nombre de mutants dans l'Arche semblent prêts à le suivre. Après que notre on va dire que après que Venom Fletcher ont tenté d'aborder le sujet de l'eau auprès de Johamed. Ce fut au tour de Frank de s'approcher de son contact, son ami. Et auprès de Cassio, le bras droit de Johamed. Ce fameux être à la tête de requin à quatre bras. Un colosse! Et pourtant, il avait quelques infos sur ce qui se passait. Mais apparemment, sa dernière amitié avec le chef gang adverse n'a semble-t-il pas plu? Est-ce que c'est Johamed ou est-ce que c'est simplement certains de ses membres, on ne sait pas, mais en tout cas, trois membres du gang rival sont venus rendre visite à Frank lors de son petit entretien et Cassio a eu la joie de recevoir un jet d'acide en plein visage. Brûlé, blessé, celui-ci a été emporté, heureusement, par Frank jusqu'au bastion. Un événement qui, semble-t-il, bouleverse un peu les idées de Frank, du moins ses idées de base. Il est temps maintenant, sans doute, d'agir. On sent déjà que, au sein de l'Arche, il y a des tensions internes, externes. Il y aura sûrement des conflits. Maintenant, c'est à savoir dans quelle direction vont se diriger les armes de nos chers mutants. Voilà. À ce moment de la soirée, Franck
Tu es rentré. Peut-être que tout ceci a fait un peu de remue-ménage. Certains ont entendu du bruit. Certains vous ont vu rentrer avec Cassio. Déjà, Cassio rentré dans le bastion, ça fait du bruit dans le quartier. Assez vite, on entend que Franck est revenu avec Cassio. Cassio s'est fait agresser. Celui-ci est blessé. Et effectivement, il est gravement blessé. Ce qui a sans doute amené, d'une manière ou d'une autre, curiosité pour certains, inquiétude pour leur ami, pour d'autres, ou bref, peu importe la raison. En tout cas, ça arrange le MJ. Vous êtes tous au bastion à ce moment T. Et quand je dis tous, c'est tous cassés. Venom, Fletcher, ainsi que Franck. Eh ben, je vais laisser la parole à Franck. Franck, à ce moment-là, tu viens d'entrer. Quelqu'un s'occupe des soins de Cassio. Sa brûlure est assez grave. Acide au visage, ça fait pas du bien, même pour un homme requin. Mais ses jours ne sont pas comptés. Ceci dit, il faudra sans doute un peu de temps pour qu'il se rétablisse. Ces conflits, il y a, il faudra pas compter sur lui. Mais tu peux compter sur bien d'autres personnes. Donc dis-moi, que fais-tu, que dis-tu, que décides-tu, que... C'est ton heure. Pour l'instant, en vrai, on vient tout juste de rentrer, donc Franck, il est plutôt en train de réfléchir sur les actions qui peuvent potentiellement s'offrir à lui. Il y a bien différentes solutions, mais laquelle choisir? Actuellement, ils sont tous ici, là, les autres. Peut leur parler, ce qui est bien. Mais nous, on se voit débarquer, hein. Déjà, on doit Bah, se débarquer. vous êtes soit vous étiez là quand ils ont débarqué, soit effectivement, comme je vous dis, hein, vous avez forcément entendu un peu. Ça fait du bruit, Ouais. quoi. L'événement fait un peu de bruit. Enfin, le bras droit Bah, c'est quoi le... d'un Qu'est-ce qui caïd s'est passé, adverse quoi? arrive au bastion. Ça fait un peu de bruit. Alors qu'on allait discuter avec Cassio, on s'est fait agresser par trois hommes de Johamet. Alors Putain, mais que. il devient Alors. vraiment complètement con là-bas. Oh, si. Je suppose que si Franck trouvait son bras droit en train de discuter avec Johamed et de lui filer des infos, ça passerait Ah, mal aussi. ça tombe bien, j'en ai toujours pas choisi un nouveau. Mais... Moi, ce qui m'emmerde, c'est de mettre à dos Joelamette, même si on le déteste pour la plupart. Moi, le premier, j'ai pas non plus envie de me mettre à dos à la fois Joelamette et Jonas. S'il y a bien un moyen d'arrêter Jonas, c'est de faire une sorte d'alliance temporaire avec Johamet. Malheureusement, ça va un peu gêner ce plan. Donc deux possibilités, soit on va amplifier ce conflit avec Johamet en se servant des problèmes de flotte comme d'un appui, et à ce moment-là, voir avec Jonas pour faire quelque chose qui m'arrange pas du tout. Soit il faut trouver une autre solution, et cette solution, je l'ai pas. Ouais, on peut peut-être se servir d'Astrina. Je crois qu'elle a un peu un pied chez Johamed. Et peut-être qu'on peut trouver un moyen de la convaincre de, je sais pas, lui dire quelque chose qui pourrait améliorer les relations. Je pense que les relations sont plutôt pas mal dégradées là. C'est pas ce que va dire Astrina qui va changer quelque chose. J'ai quand même son bras droit qui est en train de se faire soigner chez moi. Tu penses bien qu'il va falloir faire plus qu'un discours pour pouvoir le faire changer d'avis. Oh, je pense qu'on peut retourner toute l'arche contre Johamed et le faire tomber. Oui, je crois que tu avais dit la dernière fois, j'avais trouvé ça intéressant de profiter qu'on a trouvé l'usine d'eau là. Déjà, dire la vérité à tout le monde sur pourquoi ils n'ont pas d'eau. Leur dire que nous sommes là pour répondre à leurs problèmes, contrairement à Johamed. Voir comment ça se passe. Faire comme ça, mais à ce moment-là, il faut appuyer ça lors du. C'est demain qu'il y a un rassemblement, on est d'accord?
Après, rassemblement, ouais. Après, on sait ce que c'est, sa gueule pendant les rassemblements, mais quand il faut aller castagner, tout le monde va se cacher chez soi, quoi. Après, quand tout le monde, c'est pas forcément vrai. Regarde, on a été confronté à un problème majeur il y a pas longtemps. Mis à part certains planqués, beaucoup se sont battus. L'appel de la soif va forcément faire réagir certaines personnes. Le but du jeu, c'est qu'il faut qu'elles se mettent derrière nous, et non pas derrière Jonas. Il manquerait plus qu'ils aillent se joindre à cette espèce de demeurée. Faudrait pas que le conflit avec Joëmette rende Jonas encore plus fort qu'il ne l'est actuellement. Je tiens à rappeler quand même qu'il compte faire un assaut, même si on ne sait pour l'instant pas où, quelque part. Il manquerait plus que ce soit lui qui mette la main sur la source d'eau. Il va falloir la jouer fine, de manière à éviter que Jonas en prenne trop. Après, on pourra toujours mettre sur le tapis que c'est bizarre, ils ont moins besoin de nourriture que le reste du monde. Peut-être qu'ils ont trouvé une source de nourriture alternative. On n'a pas assez d'infos là-dessus. On aura beau le balancer, ils veulent nier. Il aurait fallu avoir une preuve plus solide de ce côté-là. Je sais pas, on avait un témoignage, non, la dernière fois. Alors, de qui ? Oui. Mais attention, je mets deux choses qu'il faut être bien établi. La nourriture, vous en avez. Il y en a assez pour toute l'arche. Si tout le monde n'en a pas assez pour toute l'arche, c'est parce qu'il y a une forme de... on va dire de gestion de la nourriture. Et cette gestion de la nourriture, elle est faite par Franck. Du moins par son gang. Donc, peut-être. Vous pouvez mettre ça en avant, mais on vous l'a. Je vous le reprécise, parce qu'il y en a certains qui avaient déjà fait. C'est déjà tombé lors d'une assemblée que, ouais, c'est Franck qui a la nourriture. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc. Mais effectivement, vous savez qu'ils ont moins de nourriture, moins besoin de nourriture que d'autres. Au niveau de la soif, vous vous doutez bien que les gens qui sont sous la coupe et qui servent Joëmette, eux n'ont pas de problème d'eau. Par contre, c'est pareil. Par contre, pour l'eau, effectivement, il y a une plus grosse partie de l'arche qui en souffre, puisque il y en a moins en vente. Vous l'avez vous-même ressenti. La possibilité pour affaiblir à ce moment-là Joëmette, plutôt que d'aller au clash avec lui, c'est de lui faire concurrence. Mettre la main sur la source d'eau avant lui et pouvoir fournir l'arche en eau va forcément détruire un peu sa domination de ce côté-là. Il n'a plus de possibilité d'appui avec ses restrictions d'eau. Voire même si on arrive à avoir un commerce beaucoup plus important en termes d'eau que lui, il y a moyen de gratter sur son territoire et de l'affaiblir comme ça. C'est long. C'est long. Qu'est-ce qui est long ? C'est pas toi qui parlais d'aller les tabasser, les goules ? Non, c'est long, ta proposition. Moi, demain matin, on fait un rassemblement. J'ai un petit discours avec mon charme et mon charisme naturel. Et Joëmette tombe dans la journée. T'es bien confiant. J'irai le bouffer moi-même, s'il faut. Putain, on va tous s'entretuer, on va arriver à 20 chez les goules et nous finirons, quoi. Voilà ce qui va se passer. Ou les goules viendront ici. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si on dit à tout le monde que Joëmette les rationne en eau, eux, mais pas son gang, Tiens, c'est comme Franck pour la bouffe, c'est comme ça partout dans l'arche. Ça, c'est pas forcément un secret, hein. Qu'il propose à ceux qui veulent payer veulent payer plus d'avoir autant d'eau qu'ils veulent, et en plus que nous on a un endroit où on peut se fournir en eau mais à profusion. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de lever rapidement quelque chose et d'y aller avant que lui ne réagisse?
Pourquoi et ensuite de faire pression sur lui. Parce que toi, tu veux le décapiter dès maintenant. Le souci, c'est que si jamais tu fais ton discours demain, certes, tu vas très fortement réussir à retourner certaines personnes, peut-être même dans, au sein de son propre gang. Mais pour le reste, il va juste nier. Et pour ceux qui auraient en, et pour ceux qui auraient des doutes sur sa personne, il aura juste à envoyer ses marmules de manière à dissiper les doutes. C'est Cassé qui avait une idée, là. Ouais. C'est la parler, bordel. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas. Pas désolé, t'écoutes pas. Pourquoi on prendrait pas le problème dans l'autre sens? Pourquoi on n'irait pas voir Johamed en lui disant voilà, on sait que t'as ce problème là, nous on a la solution, si tu nous aides à renverser l'autre là, Jonas, on te refile le truc de l'eau? Non, ça c'est hors de question. Moi je trouvais que c'était une bonne idée. Non mais c'est vrai que s'allier pour aller chercher cette putain d'eau, là tout le monde sera d'accord, on n'a pas de flotte. À ce moment-là, on peut faire un truc à deux avec Johamed pour mettre des coups de boule à Jonas, ce qui pourrait être intéressant. J'avoue que j'aime pas Johamed, mais j'aimerais bien qu'il... Voilà. Mais Jonas, ça a l'air d'être un sacré tordu, quoi. Et ça vient de moi. Bon. Niveau tordu, je m'y connais. On trouvera bien un moyen de faire tomber Johamed, je pense, après. Mais... Les deux autres attrapants, j'ai redit, mais est-ce qu'on veut vraiment qu'il reste plus que Franck? Vous êtes sûr que c'est bien mieux? C'est pas... Moi, ce que je veux, c'est que les gens aient de l'eau à boire dans cet endroit. Ce qui est certain, en tout cas, vous en êtes tous conscients, parce qu'au moins la situation actuelle, les personnes en position de force, c'est Jonas. Effectivement, Johamed, si vous voulez faire sauter une tête, d'une manière ou d'une autre, le Kaïd qui est en position de faiblesse à l'heure actuelle, c'est Johamed. Anas, les retours que vous n'avez n'est pas en position de faiblesse. Ceci étant dit, ma chère Cassé va me faire un petit test d'observation. Oh putain, il y a une taupe. C'est pâte à tous les coups. Non, il est mort. Il vous en veut de pas l'avoir enterré. Il revient. Ouh, allez, Cassé, elle a l'œil vif. Vous discutez, ça débat. Il faut brûler l'arche. Non, il faut pas brûler l'arche. Et tu... Non, ça discute entre vous. Vous discutez entre vous. Et puis, tu remarques Papoute, ma chère Cassé. Le petit Papoute. Le gros Papoute qui d'un coup tourne la tête et met un genre de petit grognement. Et quand tu tournes la tête pour voir Papoute, tu remarques, alors, vu que tu as eu deux succès, lui il ne t'a pas remarqué, mais en tout cas tu vois quelqu'un qui semblait à bonne distance, sans doute qu'ils vous ont entendu débattre, hein. Comme d'autres membres du gang, hein, de Franck, hein, qui devait être normal, mais lui, il vous regarde, il regardait dans votre direction, mon papou de grogne, tu vois qu'il est en train de... Je ne sais même pas qu'il est en train, il sort de la pièce, et semble-t-il, il sort en direction de la sortie. Ce que tu vois, il prend un couloir en direction de la sortie du bastion. Cette personne, tu comprends pourquoi Papoute grogne, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les chiens et les animaux. C'est un petit fouineur. C'est Sixter. Quelle petite enflure. Et les autres discutent, hein, donc... Dis-moi. Non, mais parce que oui, qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Il faut brûler l'arche, vous détruisons tout. Ouais, je tire sur la manche de la personne, je sais pas, soit Franck, soit Venom. Et je fais un petit signe. Ah, tu me dis si c'est Franck ou Venom, hein. C'est à toi de décider. C'est pas soit Franck, soit Venom. Ou tu tires les deux manches de chaque côté.
Ouais, voilà. Voilà. Casser ou tire sur les manches. Casser, casser. Alors, tirer sur deux manches en même temps, si tu veux que ça soit un geste discret, je suis désolé, ça fait bizarre. Tout le monde remarque qu'il y a un truc qui se passe. Surtout qu'il y en a un qui est en t-shirt. Casser ça les cloches, que se passe-t-il? Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je fais un signe, genre, vers la sortie, quoi. Et je regarde vers la sortie. Ah là, tu vois plus personne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Sixter qui vient de se barrer, genre... Je sais pas, peut-être... Il est parti moucharder, tu crois? Ah ouais, il est parti moucharder. Je pars en direction de la sortie. Tu vas en direction de la sortie rapidement, par un... Rapidement, rapidement, rapidement. D'accord. Est-ce que tu es suivi, mon cher? Ouais, bah oui, bah, on va voir. Elle nous a dit. Je crois, j'ai confiance en dans le flair de Papouche, de sa maîtresse. Mais j'ai presque envie d'envoyer le chien parce que là, je tiens presque une occasion de me venger, même si c'est plus vraiment mon ennemi officiellement. Ouais, ouais, mais tu lui en veux un peu, quoi. Ah, on est bien un petit peu. Je rappelle que avant Papou, tu avais un chien, Papite, et que celui-ci était moins. Non, j'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelait. Mais il avait un. Mais en tout cas, il a été découpé en morceaux et vendu par Sixer. Oh le salaud. Bon, après, on reste soft, on n'envoie pas Fletcher. En tout cas, quand vous arrivez à la sortie du bastion et que vous regardez, vous voyez effectivement. Sixter qui marche un pas rapide plutôt vers le nord. Bon, bah faut le choper. Ok, j'envoie Papoute. Allez, ça court. Tu lâches le chien? Ah oui, 100%. Tu lâches le chien. Bah, tu vas faire un lâcher le chien. Faut se casser la tête. Hein. Tu me fais un lâcher le chien. C'est une. Il faut au moins deux succès. Puisque si tu veux qu'il le neutralise. Je peux pousser? Ah, bien sûr que tu peux pousser. Oh, trois succès. Donc, Papoute galope en direction de. Je talonne Papoute. Donc, tu peux choisir avec. Vu que tu as trois succès, si tu fais une autre chose. Bon, je pense que le plus logique, ça serait... Tu peux le mettre à terre, en plus. Tu peux le blesser, en plus. Je pense que le plus logique, c'est peut-être de le mettre à terre. Mais... Oui, oui, genre... C'est ce que je pensais. Soit il mord le pantalon, il se met dans ses pieds et tout. Ouais, comme dans les meilleurs centres d'entraînement de chiens de vigile. Papoute arrive et saute sur Sixter. Il court. Ah! Il se fait choper, il se retrouve au sol, et je fais bien le Sixter. Et il se débat, et puis « Lâche-moi ça, cabot, je vais te bouffer !» Et puis ceux qui courent, ben, vous arrivez assez vite, alors que Papoute, il Mon Dieu, virez-moi ce clap de là !» Et bien alors Sixter, on s'en va. On veut aller discuter avec certaines personnes tard dans la nuit. Bah non, j'avais fait aller à la pêche aux infos, bien sûr. Tu me connais, Franck. Bien sûr, on va aller en discuter. Est-ce de nouveau dans le bastion. Hein. J'aurais savoir s'il ment. Pendant que Franck lui parle, je tente de... Je vais me faire un test de... Alors que tout s'éteint. Ah oui. Mince. La compétence est toute faite pour perception des émotions. J'ai une mutation. Ah, tu triches alors. Donc t'as pas perception des émotions, tu as télépathe. Ouais, ça répond à la question, est-ce qu'il ment? Ah, alors tu... Oui, mais il faut que tu utilises des points de mutation. Oui, bien sûr. Donc avant, il faut que tu fasses un, pour qu'on rigole. Vas-y, je pense que c'est qu'un seul... N'oublie pas de jeter un D1. Voilà. Ça, c'est fait. Tu lances un deuxième dé. Merci.
Non, mais j'avais pas encore ouvert le livre ce soir. Donc... Voilà. Oui. Non. Nul. Trois. Non, c'est cinq. Je me déforme. Mais... Ouais, c'est ça. Six. Ouais, non, trois, six. Parce qu'au final, on connaît que un et cinq, je crois. on a pas fait d'autres G après avoir fait un. Putain, j'avais envie de faire un. Je suis deg. Trois. J'aurais dû lancer un. Est-ce que tu as combien de points de mutation? Est-ce qu'il t'en reste? Ouais. Bah tu en enlèves un de plus. En fait, la mutation consomme deux fois plus de points de mutation. Sans accroître les effets pour autant. Oh mais c'est faut faire trois en permanence en fait. Tu fais déjà pour essayer de ne pas faire 1, parce que nous on fait quand même un taux de 1 qui est monstrueux. Quoi, sur le quand les 1, il n'y a pas que des mauvaises choses. T'as le truc, ça peut amplifier ton effet, ça peut faire que tu ne consommes pas de points de mutation finalement. Par contre, question, en imaginant qu'il n'avait pas les points pour taper dedans, il se passait quoi? Non, c'est marqué, vous ne pouvez pas descendre sous 0. Oui, donc c'est vraiment le chiffre, il ne se passe rien quoi. Bah, tu consommes plus de points de mutation. Ouais, et si t'es à zéro, bah tu... Je vous rappelle, normalement, je dois vous donner un point de mutation au début de chaque séance, mais vous en avez tellement une ribambelle de points de mutation que... Hein, je vous en profile pas, c'est bon. Je pense que... Il y a KC, elle doit être capée à 10, puisque c'est 10 maxi, elle doit être capée depuis un moment, là-haut. Ça nous fait flipper, en fait, de faire que des 1. Voilà. Oh, oui, c'est ce que je veux dire. Dès qu'on fait un jet de mutation, on fait 1. Ça nous incite pas à les lancer, les jets. Il y en a certes parmi vous qui n'hésitent pas. Je donne pas de nom, mais il y en a qui n'hésitent pas. Oui, mais c'est... Moi je les balance par 5. Ça se voit à leur tête. Hein. C'est Fletcher, c'est pas vraiment un être humain. De moins en moins, effectivement. Ouais. Le lamproie, on l'appelle maintenant. Dernièrement, on l'appelle le lamproie. Vous savez pas pourquoi, regardez la tête d'un lamproie. Bon appétit. Arrête, il y en a qui démangent vraiment ces trucs. Oui. Donc, en tout cas, la réponse est oui, il manque comme un arracheur dedans. Il manque très bien, mais dans sa tête, t'entends. Il faut que je me barre, il faut que je me barre, il faut que je me barre, il faut que je me barre. Effectivement, bah, du coup, il manque. Moi, je l'attrape par un des pieds, puis je le traîne jusqu'au bastion. Allez, doucement, Franck, doucement. Mais c'est que de la merde, hein, Franck. Hein. T'inquiète pas, Sister, on va discuter au bastion. Eh non, mais n'écoute pas Venom, il te raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai lu dans sa tête, pas. Et c'est pas joli, joli. Il y a que de la merde là-dedans. Comment ça, t'as lu dans sa tête? Ben, comme tu sais, j'avais fait la dernière fois, tu m'as déjà vu le faire. Il est dans les... Depuis quand, lui? Il est dans les têtes. Laissez-moi partir. Et puis, il essaie de s'agripper. Je peux griller les cerveaux aussi. Bon, après, ça me... La dernière fois, ça n'a pas très bien fini. C'est quand, la dernière fois, que t'as lu dans les cerveaux? C'est quand t'as fini de me libérer, hein. Bref. Non, là j'ai grillé un de tes agresseurs, mais ça m'a grillé moi aussi. J'ai eu le même effet que... J'ai lu dans la tête de quelqu'un avant, à l'Arche, je crois. Ouais, pendant la réunion. Ouais. Ah, c'est ça. Pendant la réunion, c'était pas quand on s'était fait attaquer. Ah oui, mais c'est pour ça, j'étais sur les frappes, j'avais pas dû le voir. Je continue à le traîner hein, jusqu'au bastion. Je regardais si sa mutation pouvait le sortir de ce petit pétrin, notre cher Sixter. Mais il est pisteur, c'est-à-dire qu'il a un pif, il renifle, hein. Mis à part ça, ben là il doit sentir le sapin là, à mon avis. Oui, mis à part ça, il n'a pas vraiment de capacité. Et puis, crache ton venin. Tu finis par le traîner hein, jusqu'au bastion. Il a rien fait. Bah du coup, je vais l'asseoir sur une chaise et puis on va discuter. Je voulais juste aller voir s'il se passait des choses chez l'un ou chez l'autre. S'il se passait des choses, Venom me certifie que c'est pas vraiment
ce que tu avais dans... en tête. Ah, mais depuis le temps qu'on est ensemble, Franck, tu vas pas faire confiance à... Tu fais confiance à ce cracheur d'acide, là. Ça... Étant donné qu'il m'a suivi à plusieurs reprises dans la zone, qu'il m'a sauvé la vie plusieurs fois, oui, je vais lui faire confiance. Et puis, vu qu'on se connaît depuis plusieurs années, tu sais très bien ce qui va se passer si tu craches pas tout de suite les informations. Et je vais appeler quelqu'un qui va venir discuter avec toi, je vais te laisser avec elle, et ça va très très mal se passer pour toi. Donc, autant que tu commences à cracher ton venin maintenant, plutôt que je fasse appel à elle. Tu vas me faire un jet d'empathie. Est-ce que... pas d'empathie, manipulation. Manipulation. Oui. Est-ce que je peux profiter qu'il le menace pour lui lancer ma mutation et lui faire peur? Oui. Je vais lui foutre les... Oui. Tu peux. Et en fait, j'aimerais bien en profiter un petit peu parce que j'ai mes... Enfin, une petite vengeance personnelle. Est-ce que je peux faire genre signe à Papoute d'attaquer, et je fais genre je le retiens et comme ça gronde de partout? Et bien sûr. Oh. Tu utilises combien de points de mutation? Un seul? Ouais. Tu fais très très peur. J'hésite à en mettre deux. C'est pathokinésie, hein, ta mutation. Ouais, instiller la peur ou l'anxiété chez les autres, votre victime subit un point de doute par PM dépensé. Très bien. Ah, très bien, non, ouais, c'est un PM. Tu peux. Donc tu lances un décide. Comment? Tu dépenses un PM et. Bah là, il voit ton chien, il a une réaction, il est terrorisé. Non. Et puis, ça octroie un peu plus de, forcément, de force au discours de Franck. D'ailleurs, il a même bien plus peur de Papoute sur cet instant-là, vis-à-vis de ce que tu lui lances. Ce que tu agis sur lui, cassé que vraiment des paroles de Franck. Et en tout cas, il dit ouais. Parce que, bon, Sixter, vous le savez, n'est pas trop réputé pour son courage. Ok, oui, c'est vrai. On m'a payé. On m'a payé pour que je donne des infos. Si j'avais des infos. Si on allait l'attaquer ou s'il y avait des choses contre lui, voilà. S'il y avait certains de ses membres qui venaient ici, ou voilà. C'est Johamed. C'est Johamed qui m'a payé. Et là, il a plus l'air de mentir, là. Ah ben là, il a plutôt l'air de faire dans son pantalon. Johamed, il t'a payé. Et combien t'as accepté pour vendre des informations sur moi? Celle-là, c'est ça date pas de très longtemps, c'est à cause de cette pénurie d'eau. Tu comprends, il n'y a plus d'eau. C'était un bon plan, j'ai une bonne réserve de flotte. Quoi, tranquille. Toi qui as vendu notre pote Cassio? Non. Non. Je m'approche de lui. Je m'approche de lui à 2 cm de sa face avec mes dents Tu es sûr de toi? Vu la situation quand même, tu peux te rajouter un bonus de plus 2. Et c'est un perception des émotions. Bien sûr, tout le monde sait que celui qui aurait trahi Cassio et vis-à-vis de Franck aurait sans doute cher à payer. C'est sans doute pour ça que même dans cette situation, même alors qu'il fait dans son pantalon, il continue à mentir. Et là, tu vois qu'il a encore plus de terreur dans ses yeux. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais pour l'instant, Fletcher.
À toi d'en faire ce que tu veux. Mais en tout cas, elle est... Non, 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 c'est pas moi. C'est pas moi. Non, non. Je vous jure. Moi, j'aurais jamais osé. Je retourne vers Franck et je lui dis il te ment encore. C'est lui qui a vendu Cassio. Tu sais, Sixter, si j'étais toi, je dirais la vérité. J'ai jamais goûté. Tu me laisses en goûter un petit bout, Franck, s'il te plaît. Jamais goûté un qui bouge encore. Fletcher, j'avais toujours été jaloux de mon business, mais c'est pour ça, mais... Non, mais arrête de lui laisser goûter. Je claque Franck, mes dents à 2 cm de son bras. Franck, s'il te plaît, Franck. Non, je te dirai tout. Je t'en supplie. Allez, dis-nous. Dépêche-toi. Déjà, essaye de te racheter. Dis-nous tout. Et on verra bien ce que tu prendras après. Ouais. Il est ce qu'on peut appeler au pied du mur. Il attend. Il doit attendre des gens de l'extérieur. C'est apparemment, c'est ça qui doit le sauver. Mais ils sont toujours pas revenus. Puis ils prévoient une autre expédition, peut-être pour aller les chercher. Mais c'est l'expédition de Kara qui devait ramener de la flotte et résoudre tous les problèmes. Et normalement, tout était prévu. Et puis, ça devait le sortir de tout souci. Et depuis quelque temps, il ne sort même plus de son chez-lui. Là. Il reste reclus. Il sait bien qu'il est en position délicate, quoi. Je peux te dire ce que je peux te dire, c'est que et de certains, c'est il a un artefact, il a un truc qui peut faire mal. Et c'est intéressant ça. Et c'est quoi le truc qui peut faire mal? Je sais pas, mais Il a déjà fait remarquer à certains que si ça tournait mal, il n'aurait pas le choix. Il utiliserait ce qu'il appelle sa bouée de sauvetage. Et quand il le dit en serrant les dents, comme si c'était quelque chose de déplaisant. C'est inquiétant, cette histoire de bouée de sauvetage. Il y a autre chose que tu voudrais nous dire? Non, c'est tout ce que je sais. Je sais où il y a une réserve de flotte. Je sais où ils gardent une partie de la réserve de flotte. Elle est cachée. Elle est cachée dans la nouvelle partie qu'il a acquérie. Dans l'ancien QG de Vera, dans l'arène. Elle est gardée? Bah oui, tu penses bien. Je préfère demander. C'est vrai qu'il vaut mieux demander, il est pas très malin. Là, s'il comptait sur celui-là pour lui donner des infos, on peut pas dire qu'il soit très clairvoyant, Kaïd. Je vais être obligé de recruter du monde, encore une fois. Sixter, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Moi, j'ai une idée. Non, l'écoute pas. Laisse-moi partir. Je pense qu'il y en a un qui aimerait bien aussi parler. J'ai une petite idée. C'est exactement ça que je pensais. Je pense que déjà il y a quelqu'un qui veut discuter avec toi, mais il y a également d'autres personnes qui veulent discuter avec toi. Je me retourne en regardant le reste du gang, en fait. Parce que ils sont toujours là. Je suppose que à toi de me dire est-ce qu'ils sont tous là. Bon. Oui, je pense que pour la plupart ils sont là. Ils nous ont vu partir après. Ils nous ont vu le ramener en le traînant. Ils nous ont vu commencer à le menacer. Je les vois mal ne pas être là pour ça. Après, tu sais aussi. C'est toujours à toi de montrer qu'il faut que tu te fasses respecter. Tu sais que ton gang, il y a toujours de l'instabilité. Pour montrer que t'es l'alpha.
Donc en tout cas, il regarde. T'as bien sûr, t'as la hyène qui se frotte déjà les mains en se disant, et qui regarde Sixter avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. On connaît ce sourire de plaisir un peu sadique. On sait que cette chère hyène espère avoir le plaisir de lui faire mal, puisque c'est la seule chose qui un peu qui l'intéresse. Certains regardent un peu forcément d'une manière dure en direction de Sixter, un traître, c'est un traître. Mais il y a certains regards qui naviguent entre Sixter et toi, en attendant voilà, le verdict. T'as quand même été généreux avec nous, tu nous as donné pas mal d'informations, mais tu penses bien que je vais pas te laisser partir comme ça. Vu que t'aimes bien courir à droite à gauche, on va faire en sorte que tu ne cours plus jamais. On va faire en sorte qu'il ne court plus jamais. Je vais prendre la hyène avec moi, je vais prendre Fletcher avec moi, et on va faire en sorte de lui arracher les jambes. Nous passerons ce qui se passe dans cette petite arrière-salle du bastion. Ah, et les hurlements qui sont bons. On va lui confectionner un petit chariot avec des petits trous, là, comme ça il pourra... Ça reste une... quand même... entre eux. Enfin, une opération quand même... tantiner à risque. Même à gros risque, on va dire. Le jet de dés. Surtout avec les outils qui sont dedans. J'avais pas pensé. Oh, j'imagine déjà la scène, l'autre qui est en train de lui mâcher les jambes, là. Laisse un morceau s'il te plaît. Et j'ai fait 21. J'avais dit qu'il avait 25% de chance de survie. Le pauvre va survivre. Il va survivre. Kidjat, sans doute vérolé, mais vous ne perdrez pas un mutant, mais autant dire que celui-ci ne sera pas forcément trop utile pour le reste de la communauté. Tiens, d'ailleurs, comment ça se passe pour les statues, là? Il y a moyen qu'il perde son statut ou il va rester... Ah bah là, il va plus aider rien. Après, c'est à vous de voir. Mais maintenant, alors un Kidjat, tu vas pas pouvoir le négocier comme esclave, c'est certain. De toute façon, il sera qui perde au moins son statut, quoi, parce que... Son statut, il reste combinard, mais effectivement, le fait qu'il a plus trop de contacts, ça va pas l'aider. Hein. C'est-à-dire que... combine. De toute façon, on va dire que dans l'immédiat, hein, il va pas se remettre demain tout ce que vous venez de lui faire. Il va lui falloir un bout de temps avant qu'il puisse un peu même se déplacer sur une planche à roulettes qu'il aura durement négocié. Petit chariot à roues. La chose faite, nous passons les détails sordides qui se passent dans ce bastion. Que faites-vous? Il faut découvrir ce que c'est son arme secrète à Joe. On n'a pas le temps pour ça. C'est dangereux, mais on n'a pas le temps. Il faut qu'on réagisse maintenant. C'est maintenant qu'il faut jouer le jeu. Soit on profite du moment de faiblesse de Joamette pour s'en faire un allié et le remonter contre Jonas, soit on s'en prend directement à Joamette. Bon, bah, prenez une décision, les gars. Moi, j'en peux plus, là. C'est compliqué pour moi, ce type de politique. On a la position de sa comment on appelle ça, de sa réserve de flotte. On peut tout à fait en faire pression. Tu voulais faire un discours. Tu peux tout à fait te servir de ça pour dire qu'il conserve de l'eau cachée. C'était la reine, hein, c'est ça qu'il disait. Hein. Oui, c'est ce qu'il a dit. Enfin, il a dit qu'il y a une partie. Hein. C'est pas l'intégralité, mais qu'il y a une partie. Il cache de l'eau. Une partie de son stock d'eau qui serait dans l'arène. Donc il cache déjà une partie de l'eau à la population, à l'arène. Donc t'as moyen d'appuyer là-dessus, toi qui voulais faire un discours, Fletcher.
Mais il faut, si jamais on se propose pour régler le problème d'eau, il va falloir qu'on ait la solution derrière de ce qu'on se fait avec les goules. Soit on les attaque, soit on fait autre chose. Je serais pour David attaquer, ça réglerait le problème. Il y aura d'autres problèmes qui se présenteront après qu'on pourra régler au fur et à mesure. Mais si on peut éviter de perdre des mutants, ça serait pas mal aussi. C'est justement ce que je pensais avec le discours que je voulais faire, c'était pour remonter des gens et qu'on puisse aller à la station en force. Pas juste à quatre glandus comme on fait d'habitude. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de Joamet avant, quoi. Parce qu'il a son histoire d'armes. On ne sait pas, on sait malheureusement pas ce que c'est. Ah oui, non, mais c'était... Ça, la station, c'est dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est déjà de faire tomber Mohamed. Est-ce qu'il aurait une arme assez puissante pour se défendre contre une horde de gens en colère? Mais attends, il est où Cassio? Je vais poser la question à Cassio. Éventuellement. Je vais lui demander, je vais aller poser la question à Cassio s'il est au courant de ce qu'est exactement cette arme, cette bouée de sauvetage qui permet à Joamet de se tirer d'un mauvais pas si jamais celui-ci touchait le fond. Ah, son précieux objet, aucune idée de ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que quand on l'a remis, c'était dans une boîte de cette taille-là. Voilà. Un peu plus petite peut-être qu'une boîte à chaussures. Est-ce qu'il y avait marqué Acme sur la boîte? Est-ce qu'il y avait écrit explosif? C'est une boîte. Après, je pense pas que la boîte fait partie de l'artefact. C'est Kara qui lui a remis. Décidément. Il avait pas soigné Astrina avec une boîte là aussi à un moment. Il y a un max de boîtes à malice, tu vois. Un max de boîtes à malice. Ouais, il avait. C'était un produit. C'était une petite boîte, non, qu'il avait pris pour sauver. Oui. C'était pas une grosse boîte. Enfin, pas... Exact. Ouais, truc que je comprends pas, Franck, tu... T'as assez peur quand même parce que t'arraches les jambes des gens et tout ça, mais. Il y a quand même beaucoup de gens qui te trahissent. Hein. Ah bon, ça te fait peur. La Kara, c'était pas une femme à toi, à la base? C'est vrai. C'est vrai que je l'ai oublié, mais oui, c'est Kara, vrai. Kara, Sixter. Je pense que tu as été fait, c'est vrai. Faudrait un peu serrer les vis, là. Tu comptes te rajouter à la liste? Hein? Allez, non, mais moi, je trahis jamais personne. Mais je te signale que, regarde, c'est pas pour autant que j'ai pas des gens d'autres caïds dans mon entourage. J'ai Cassio, j'en ai récupéré deux de l'ancien caïd. Ouais. Ça va, ça vient. Je pense bien que si jamais je meurs un jour, tu ne resteras pas à te remémorer le bon temps qu'on a passé ensemble. Tu passeras à autre chose, tu iras voir ailleurs. Ah, je penserai à toi. T'inquiète. On passera un bon moment. Oui, on passera un bon moment. Moi, oui. Je suis à table, toi, dans mon assiette. Tout va bien. Pensez à prendre des cocktails Molotov. Non. Mais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que on va pas discuter 10 ans, là. On y va maintenant? Tu veux y aller cette nuit? Je sais pas. C'est attaque surprise, là. Personne s'y attend. Tu veux carrément attaquer, toi, un autre caïd? Ah, moi, toi? Oui. Je veux bien participer, moi. Tu veux déclencher une guerre? Une guerre. Ah, ça va, vous êtes combien, chacun? Ah, mais d'autres personnes seront entraînées dedans, Fletcher. Toi-même, tu le dis, t'es prêt à nous rejoindre. Tu penses bien qu'il y en a d'autres qui vont rejoindre leur côté à eux aussi. Ah ouais. On discute trop. On va dormir et puis demain, on verra. Alors, c'est la question de l'instant. Et ça. Est-ce que vous allez dormir ou est-ce que vous pensez passer à l'action? Je regarde ma fiche.
C'est moi, c'est moi la... Déjà, le jet d'acide et tout, l'agression, je pensais que c'était une déclaration de guerre, tu vois. Bon. On ne sait pas si c'est lui qui a orchestré tout ça, ou si c'est un coup de sang de la part de ses hommes. Regarde Sixter. Oh, par contre, c'est vrai que Sixter, c'est... Ah, Sixter, vous avez compris que lui, il a balancé à Joamed. Hein. Il n'a pas balancé à certains de ses hommes, en tout cas. La relation entre Cassio et... C'est maintenant qu'il faut montrer, là. Allez. Je suis un petit peu d'accord. Que là, genre, il y a Sixter, il y a, genre, le problème de Cassio. Faudrait au moins aller le voir maintenant. Donc vous êtes pour le défoncer, de ce que je comprends tous. Bah, pas forcément pour le défoncer, mais en tout cas, il faut pas laisser passer ça, je pense. Alors... Autour de toi. Ce qu'on va faire, c'est un coup bas pour un coup bas. On a la position. Je vais te dire qu'autour de toi, alors que Fletcher est cassé par là, t'as plusieurs de tes fracasseurs. Ouais, on y va. Ouais. Ils ont l'air chauds aussi, hein, apparemment. C'est apparemment. ils m'ont dit qu'ils étaient chauds. Un coup bas pour un coup bas. On a toujours la menace de l'arme si jamais on l'attaque directement. Il a voulu me la faire à l'envers, on va lui faire à l'envers aussi. On a la position de sa réserve de flotte. On sait qu'elle est gardée par quelques gardes. Donc on va en profiter, on va aller récupérer cette réserve d'eau. Ah non, ouais, ça c'est une bonne idée, ça. Ah, en plus j'ai soif, ça fera un petit peu pour ma taverne. Il y a un endroit parfait pour stocker, dans la cave de ma taverne. T'inquiète. On peut aller chercher ça. Tu déplaces tout le monde pour... On sait pas combien ils sont, donc on va prendre tout le monde, ouais. Ouais. On est 20 000, là. 15 armes. Alors, c'est un peu bancal, hein, je vous rappelle quand même, parce que vous êtes super développé de ce côté-là. Donc, chacun sa arme, c'est-à-dire de pied de biche, de batte de baseball, de batte à clous et de chaîne de vélo. Je lime un peu mes dents, moi. Et ce soir... Une nouvelle nuit sanglante s'annonce à Lucas World, alias l'Arche. Alors par contre, je vais me manger comme Jaja avant d'y aller. Et tu feras ce que tu veux, puisqu'on fait une pause.